Bonjour YouTube, j'espère que vous portez bien, c'est Chile et bienvenue dans ce 9e jeu en boîte. Alors le dernier c'était il y a plus de 3 mois, c'était sur Driver Parallel Lines qui était juste un jeu trop bien. Un jeu qui est probablement mon préféré parmi les jeux en boîte. Mais il y a de la concurrence puisque aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau et comme vous l'avez vu au titre, vous êtes pas con, enfin je crois. On va s'attaquer à South Park, l'anal du destin et ses DLC. C'est parti. South Park, c'est ce que je considère comme ma série préférée. Si vous en avez jamais entendu parler, bien que ça me surprendrait, on va quand même faire une petite présentation. South Park, c'est une série d'humour très politiquement incorrecte qui parodie le monde et ses problèmes de société au travers de 4 enfants américains vivant à South Park, dans le Colorado. Je ne vais pas plus vous détailler la série parce que c'est pas non plus le but de faire une présentation d'une heure, mais je vais vous mettre un petit extrait pour que vous voyez à quoi on a affaire. Et ce singe poisson-grenouille a réussi à enculer un chimpanzé, et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé, et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. Bref, cette série, vous l'avez compris, je la trouve exceptionnelle étant quelqu'un fan d'humour et de politiquement incorrect. Et si vous ne savez pas trop dans quelle série vous devriez vous lancer si vous avez rien à faire, bah, je peux que vous la conseiller. Pour revenir à la série, le succès de la licence aura donné naissance à beaucoup de jeux vidéo et beaucoup de grosses merdes au passage. Jusqu'en 2013 où Obsidian Entertainment et Ubisoft sortent le fameux South Park, le bâton de la vérité. Ce jeu, bah, je ne l'ai malheureusement jamais fait. Mais il faudrait que je fasse un jeu en boîte à l'occasion, il est déjà acheté, donc il est déjà prêt à être streamé, et peut-être un futur jeu en boîte. Bon, on va pas le faire tout de suite, parce que enchaîner les deux, ça va être assez compliqué, et bon, je sais très bien que c'est très con aussi de faire d'abord la suite avant le premier. Mais pour revenir à South Park, le bâton de la vérité, il a été tellement bien apprécié que les développeurs ont eu l'idée de faire 4 ans plus tard une suite, qui est donc South Park, l'anal du destin, je pense que vous avez compris. Donc aujourd'hui, on va s'y attaquer, c'est parti. Alors sachez que je vais diviser cette vidéo en 2 parties. Dans la première, je vais vous résumer une partie de mon aventure. Pas tout, parce que sinon je risquerais de spoiler. Et en plus, sachez que ça m'a pris beaucoup de temps pour faire ce jeu, puisque j'ai plus de 37 heures de jeu sur ma sauvegarde. Et dans la deuxième partie, je vais vous faire une critique qui sera un petit peu plus courte, parce qu'en vrai, vous comprendrez très rapidement quels sont les défauts et quels sont les bons points du jeu à travers le récit de mon aventure. Normalement, c'est pas quelque chose que je fais pour les jeux en boîte, mais je pense que pour ce jeu, on peut bien le faire. Surtout les 37 heures, je vous l'ai déjà dit. Donc après avoir lancé le jeu et s'être ambiancé sur la musique de menu, on est enfin lancé. L'histoire, c'est que Cartman, le Coon, cherche à sauver un chat perdu, sacripant. Il va donc faire un voyage temporel dans le passé afin de regrouper les membres du Coon et sa bande, mener la mission qui consiste à retrouver le chat et empocher une récompense de 100$, argent servant à développer sa franchise. Mais c'est à la sauce South Park quoi. Mais cela dit, les dialogues m'ont déçu sur un point, les voix des personnages ne sont pas les voix des vraies personnes qui sont dans la VF de la série. Tu n'es pas un nouveau roi parvint à unir un royaume se disputant un puissant bâton. Et j'ai appris en faisant mes recherches que c'était initialement prévu d'avoir justement ces fameux doubleurs de la VF. Mais je vais pas théoriser comme je n'ai pas de source. On crée ensuite notre perso qui pendant tout le jeu s'appellera le nouveau, alias Trouduc. Et matez-moi ce gars de 10 ans avec son bouc, sa cape et ses cheveux qui feraient penser à Dark Vador, je le kiffe déjà. Mais il manque un détail, sa couleur de peau. Et rien qu'avec ça, le jeu m'emplit de joie. T'inquiète pas, ça n'affecte pas les combats, juste tous les autres aspects de ta putain de vie. Ça commence bien, j'ai toujours pas commencé à jouer que le jeu me fait déjà taper une bonne barre. Je sens qu'on va kiffer. On valide notre choix et on assiste à un combat entre deux armées. Alors j'ai pas envie de me spoiler, mais je pense qu'il y aurait 2 théories possibles quant à ce combat. Soit c'est un combat totalement random, sans plus. Soit ce serait un combat qui serait venu du South Park, le bâton de la vérité. Et comme j'ai pas fait le jeu, je peux pas vous le confirmer. Putain ! On commence notre aventure sur le trône. Et après un mini-jeu pas très passionnant malheureusement, on sort de la salle de bain, on tombe sur les parents de notre perso qui s'engueulent. Bon, le père me paraît chelou, mais passons. On sort de la maison et on engage nos premiers combats. Rien de très passionnant, ce sont juste des tutos qui nous montrent le système de RPG ou combat au tour par tour.
On met juste des patates dans leur face et ça suffit pour le moment. Et voilà qu'on tombe sur le deuxième système du jeu, les énigmes. Alors en général, elles ne sont pas très difficiles, il suffit juste de se poser, de réfléchir intelligemment pour en général trouver sans trop de difficultés. Ici, il faut juste déplacer l'escabeau et grimper à l'échelle pour atteindre le toit. Sauter du dit toit en appuyant au bon moment pour éviter de mourir. Les royaumes ! Oh putain, il est incroyable ! Je croyais que le roi allait faire un super saut, mais en fait, il a fait ça. Tu es mort ! T'es mort ! Oh ! Ah ouais, chaud ! On est donc réunis, et c'est là que ma thèse du combat final du précédent opus s'appuie, puisqu'on nous demande pourquoi le mage n'est pas encore arrivé alors qu'il était convoqué. Mais c'est finalement le Kun qui va débarquer, sauf que le Kun c'est Cartman, que Cartman c'est aussi le mage. Une minute, où est le mage? Je croyais qu'il était avec vous les mecs. Non, on a reçu un signal de détresse nous convoquant ici. Le mage a disparu. Je suis le Kun et je viens du futur. Mec, on a dit qu'on jouait plus à ça. Ouais, on est tous divisés, ça sert à rien. Justement! À mon époque, on subit une vague de criminalité et des chats disparaissent. Il ne me restait qu'un seul espoir, réunir l'équipe. Hé, hey, tu peux pas sans être deux comme ça. Où est le bâton de la vérité? La ferme, Kevin. Il s'agit pas d'un stupide bâton. Un chat est en danger et c'est la clé pour démanteler le syndicat du crime qui s'est installé en ville. Dans l'avenir. On se retrouve donc au repère avec les membres du Kun et sa bande. On va obtenir trois choses importantes. Le mode inspection, qui sera un outil qu'on utilisera souvent pour résoudre les énigmes ou faire des photos. Notre page de super-héros sur Kunstagram. Et enfin, notre première classe de joueur. Joueur super-héros? Il faut que tu te crées un personnage de super-héros. Ensuite, tu pourras remplir ta fiche personnage sur Kunstagram. T'as bien une page Kunstagram? Oh, j'y crois pas, t'es même pas sur Kunstagram. Oh, bon, je vais t'en créer une. On se fout de ma gueule. Alors, Donc, la première chose à renseigner sur ta fiche de perso, c'est ta classe. Genre, quel genre de super-héros es-tu? Comme t'es un noob, je vais te laisser le choix entre trois options pour l'instant. Speedster. Brutaliste. Exploseur. Cartman nous crée donc une histoire en rapport avec notre pouvoir, qui sert également de tuto, avec une conclusion des plus inattendues. Et tu en viens finalement à bout. Tout semble rentrer dans l'ordre, jusqu'à ce que tu arrives à la porte de tes parents. Ce que tu vas voir en ouvrant la porte va changer ta vie à jamais et te pousser à combattre le crime. Mais il est trop tard. En ouvrant la porte, tu vois ton père baiser ta mère. Waouh, c'est un récit quasi insoutenable. Tu combats le crime car tu n'as jamais pu oublier la nuit où tu es arrivé trop tard, où tu as vu ton propre père, l'homme en qui tu avais confiance, baiser ta mère. C'est comme une faille irréparable dans le temps, n'est-ce pas? Pendant ce combat, on nous pousse à utiliser toutes nos attaques au moins une fois pour voir comment elles peuvent être utilisées. C'est un tuto. Trop bien, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut faire en fait dans les tutos, c'est nous apprendre les différents trucs, mais une fois, pas 30 fois. N'est-ce pas, des jeux de merde? J'ai pas d'exemple de jeu. On remarque aussi que notre attaque dite ultime est accompagnée d'une courte cinématique hyper bien foutue. Chaque personnage qu'on jouera aura justement cette fameuse attaque ultime et sa propre cinématique customisée. Et personnellement, je les trouve vraiment très bien foutues pour un jeu sorti en 2017. Et surtout, bah, plus le temps passe et plus je me dis que les graphismes se rapprochent vraiment de la série South Park. Et pas seulement dans les attaques spéciales, non. Tout le jeu est quand même assez bien fait, les couleurs sont exactement les mêmes, c'est vraiment très ressemblant, c'est hyper réaliste. Suite à ce tuto, Cartman nous envoie donc à notre première mission, gagner des followers sur Kunstagram. J'en profite donc pour explorer un petit peu, débloquer des quêtes, fouiller les maisons à la recherche d'objets. Bon, on ne peut pas prendre de photos avec tout le monde car on n'est pas encore assez connu. À un moment, le Kun nous demande d'aller chez Kyle, alias Homme Cerf-Volant, pour un problème dit assez urgent. Un Homme Cerf-Volant d'un autre espace-temps... et chez Kyle, et on doit s'en débarrasser, mais au final, c'est juste son fragile de cousin qui s'est déguisé comme Kyle. Bon, on le dégage en deux-deux. Très bien, c'est parti pour mon super pouvoir ultime, prépare-toi, t'es prêt? Oh, putain! Ok, colère du cerf-volant d'un autre univers. C'est pour ça. Et on débloque notre premier allié en combat. Je vous laisse deviner? Comment ça vous trouvez pas? Bah voyons, la réponse est évidente, c'était le Zen. Très émouvant, je vous assure, c'est le mot de Richelieu.
Bah non en fait, merde. On débloque juste l'homme cerf-volant. Putain, je suis déçu. Sur notre lancée, on va battre un sixième et recruter Super Craig, après avoir récupéré son hamster. De retour dans la planque du Kun et sa bande, on nous donne notre premier artefact, qui grossièrement est un objet qui booste notre puissance et peut être équipé en montant de niveau. Le premier est un hand spinner. Oui, j'ai dit hand spinner, mais le jeu est sorti en 2017, donc s'il vous plaît, bah, respectez-le. C'est quand même trop bien cette merde. Trop marrant. Bon, il est pas ouf car il ne booste notre puissance que de 15. Mais sachez que très rapidement, on va en collecter beaucoup d'autres et des bien plus puissants. Et que 8 emplacements sont à débloquer. Mais on s'en contentera du handspinner pour le moment. On va ensuite infliger une dérouillée au dernier 6ème et on va choisir la difficulté en combat. En gros, c'est le mode de difficulté qui permet de donner un boost ou non aux ennemis en combat. Pour ma première aventure, j'ai donc choisi Génie qui offre un boost aux adversaires. Mais pas aussi conséquent que si j'avais joué en diabolique. La suite se passe à l'église et c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans South Park. Car le prochain affrontement est à 1v2 contre... les curés. Qui sont, comment dire... déviants. Combat qui s'accompagne en plus d'une musique qui colle bien avec le contexte. Ah, tout ce que je kiffe dans South Park, la parodie, le vulgaire, j'en ai envie de me noyer dedans. Une fois battu, on est amené à se rendre dans le bureau de Monsieur McKim, voyez. Pour parler de sexe, voyez. Tu sais, je suis très qualifié en matière de sexe, voyez, et tu n'as rien à craindre. Vous voyez, c'est très simple. Quand... Non, par contre, c'est quand même grave que même moi, qui est un mec lambda, qui certes aime bien South Park, mais a pas vu les épisodes 30 fois, arrive à mieux imiter McKay que le gars qui a fait... Bon, une fois sorti de l'école, trois beaufs avec un charisme négatif nous défient, car on s'est justement identifié comme un garçon cisgenre. Eh ben, c'est que ça représente bien le monde actuellement, dis donc, cet esprit. Alors sachez qu'à partir de maintenant, je vais arrêter de détailler tous les combats du jeu au cas par cas, car selon moi, ce serait juste gâcher le plaisir de la découverte aux gens qui, à travers cette vidéo, voudraient justement découvrir le jeu. Donc forcément, je vais donner des points importants du scénario, donc plus vous voudrez jouer au jeu, plus je vous déconseille d'aller plutôt vers la fin de la vidéo pour éviter d'être spoilé. Mais de toute façon, comme je l'ai dit en intro, je ne dirai pas tout sur le mode histoire et je m'arrêterai un moment. Donc faites ce que vous voulez, mais vous êtes avertis. Pour revenir sur le choix fait avec McKay, ils vont compléter nos fiches de perso, qu'on complétera au fur et à mesure du jeu, avec notre ethnie, nos croyances, nos origines, etc. Bon, de mon côté, je n'ai pas voulu tenter d'autres aventures où justement on choisissait d'autres choix pour notre fiche de perso, et je ne sais pas d'ailleurs s'il y a vraiment un réel impact. Mais je pense pas trop. Peut-être juste le choix de la kryptonite pourrait avoir un impact sur certains combats où justement les filles du raisin, ce que j'ai choisi, serait invoqué en combat, mais ça je peux pas vous le confirmer, et en plus, j'ai la flemme. Le prochain lieu important, c'est le Freeman Tacos, géré par l'incroyable Morgan Freeman. Ce prénom et ce visage vous dit peut-être quelque chose, car Morgan Freeman, au-delà d'être un personnage de South Park, est également un acteur qui existe dans la vraie vie, et qui a tourné dans beaucoup de films très connus, et notamment un de mes préférés, Bruce le Tout-Puissant. Je suis Dieu. Bingo, c'est gagné! Et là, ce mec est littéralement un des personnages les plus incroyables du jeu. Alors là, il nous apprend juste à créer des éléments en combinant des trucs. Rien de fou, mais en parlant, il nous raconte ça. Et une dernière chose. On raconte que certains pets sont si puissants qu'ils peuvent courber la matrice du temps. Fais attention à toi. Peut-on juste remercier 2 secondes l'écriture incroyable des textes de ce jeu, s'il vous plaît ? De retour au repère du Kun et sa bande, Cartman va cash nous dire « Tu es pourri en tant que super-héros » et va donc nous laisser choisir une seconde classe. Et là, le panel se varie encore plus, car nous n'avons plus le choix entre 3, mais bel et bien 6 catégories. Alors la logique est que les capacités que maîtrisent les nouveaux alliés et les nouveaux ennemis qu'on va rencontrer au fur et à mesure du jeu, on va débloquer des classes en rapport avec ces attaques. Bon, par contre, on a 2 classes de super-héros, mais nous ne pourrons choisir que 3 attaques parmi les 6 disponibles et 1 parmi les 2 ultimes. Bon, c'est logique, si on pouvait avoir toutes les attaques, ce serait trop cheaté. Et surtout, bah, il faudrait 30 000 boutons sur la manette.
Pas le temps de tester des nouvelles compositions d'attaque en combat, l'homme cerf-volant nous appelle d'urgence dans la rue pour aller affronter les potes de la liberté, constitués de Kenny, Timmy, Tweak et Token, respectivement appelés Mysterion, Professeur Timothy, Wonder Tweak et Tupperware. Pendant le combat, le clown va réussir à récupérer le téléphone du professeur et Craig, en faisant des recherches, y découvre qu'une fille avec un tatouage de bite aurait des informations sur la criminalité à South Park. Wow, c'est magnifique. On part donc en quête de cette femme dans la même soirée. Ils sont encore chelous les darons là. Ils sous-entendent qu'un élément en rapport avec notre perso devrait rester secret, mais bon, on n'a pas plus d'infos pour le moment. Passons. On sort donc pendant la nuit à la recherche de cette femme, et en sortant on tombe sur notre nouvel acolyte qui va nous accompagner pendant toute cette mission. Scott Malkinson, alias Capitaine Diabète. Shut up Scott Malkinson! I'm Scott Malkinson, I've got a lisp and I've got diabetes. En chemin, on tombe sur Randy qui défonce sa bagnole, littéralement. Et grave erreur de Scott, il décide de récupérer les clés de Randy parce que selon lui, bah, comme il est bourré, il peut pas conduire. Alors, c'est logique, mais t'es pas flic, mec. Et Randy s'énerve. Bon, on l'affronte, mais là, il est tellement bourré qu'on le défonce en quelques coups. Bon, peut-être que c'était pas une si grave erreur au final. En chemin, Diabète va boire un jus très sucré, ce qui lui donne suffisamment de force pour renverser une toilette publique au milieu d'un concert. Alors, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on pouvait pas juste la contourner, mais est-ce qu'on peut quand même dire que le mec dans la toilette, il a dû chier dessus ? Prochaine étape, un club de striptease, car on pense que la fille en question bosse là-bas. Bon, on va bien évidemment ne pas nous laisser entrer, parce que bon, je rappelle que nos persos ont entre 8 et 10 ans, on doit donc trouver une autre solution. Capitaine Diabète va donc faire tomber une cabine téléphonique pour nous permettre de passer par la fenêtre des toilettes. Bon, pas de tatouage de bite à l'horizon, on va donc chercher des infos auprès des clients. Bon, ils sont tellement bourrés qu'ils nous ont pris pour des stripteaseuses. Bon, tant mieux pour nous, car on a pu récupérer le nom de la fille qu'on cherchait, une certaine Classy. Même si on doit par la suite affronter ces clients qui nous ont pris pour des stripteaseuses. Suite à ça, on va prendre la place du DJ en lui donnant un gin tonic pas très frais de notre composition. Appeler Classy à venir sur scène, sauf qu'elle nous prend pour des flics, et s'enfuit en coulisses. On la suit et on affronte les stripteaseuses. Et mine de rien, c'était pas si simple. Parce que bon, déjà, il y en avait beaucoup et leur pouvoir était pas si mauvais. Enfin, elles tapaient fort, je parlais pas de leur cul en disant les pouvoirs. Pardon. Mais bon, elles étaient déjà nombreuses et fortes, mais surtout, on a dû les affronter deux fois. La première fois de manière normale et la deuxième fois en se faisant poursuivre par Boutet. Je vous laisse voir qui c'est, Boutet. Allez voir, espèce d'enfoiré. Chope-les, Boutet. Écoutez bien, vous tous. Voici la plus impressionnante des créatures. La maîtresse du sadomaso, l'incarnation de la dominatrice. C'est Spontanus Boutet. Hé, trésor, t'es pas prêt pour Boutet. Et merde. Je vais t'écraser. Oh la vache, elle va nous écraser avec son cul de camion. Et bien évidemment, elle nous one-shot si elle nous rattrape. Mais une fois passé, Freeman, qui est pas présent là mais qui est présent dans notre tête, va enclencher une nouvelle mécanique de jeu qui sera beaucoup mise à contribution pour les énigmes et même les combats. Et paix. Le premier qui nous sera présenté est le paix permettant de réinitialiser l'état des objets qui ont subi une modification. Là, ça sert à remettre le panneau qui est tombé depuis le toit à sa place, nous permettant d'entrer dans un restaurant italien. Dans celui-ci, on va affronter des cuistots qui n'ont pas apprécié qu'on rentre dans leur cuisine. Dans ce match, on pourra utiliser un autre paix. Celui-ci permet d'annuler le tour d'un adversaire et se réinitialise au bout de 3 tours. Et c'est assez pratique, vous vous en doutez bien, de pouvoir annuler le tour d'un adversaire. Une fois passé, on va tomber sur des gros bonnets qui veulent nous buter. Sauf que contre toute attente, Randy déboule, toujours à la recherche de ses clés, mais vraiment là, il est défoncé. Il met facilement une raclée au gros bonnet. Et on se retrouve à devoir de nouveau l'affronter, sauf que là c'est vraiment difficile, c'est réellement le premier combat hardcore du jeu. Je dirais même que c'est le premier combat du jeu où là il ne suffit pas juste de bourriner des attaques au pif, mais vraiment essayer d'avoir une vraie stratégie. Car bon, il est pas si redoutable, on pourrait croire, parce qu'il a que 400 PV. Mais le gros problème est que si un seul de vos personnages meurt, c'est lose. Pour tout vous dire, c'était tellement chaud que j'ai mis 50 minutes juste pour ce fight. Mais au moins, j'en suis ressorti amélioré en termes de combat. Méga coup de poing ! Ça, c'est ce que t'appelles une fessée ! Merde ! D'accord, je vais prendre un taxi. Hé ! Quand Capitaine Diabète est là, on conduit pas quand on abuse ! On devrait peut-être le rhabiller maintenant. On ramène Classy à notre base pour récupérer des informations. Bon, rien de très intéressant. On va attendre le lendemain. Le lendemain, on a le droit à une nouvelle info intéressante et assez surprenante.
Pour faire simple, des mecs ont été payés par la police pour kidnapper des chats afin de récupérer leur pissa, ce qui, selon le détective Harris, une fois dissimulé dans la drogue et l'alcool, augmenterait la criminalité à South Park. Très chelou, mais ok. Après une journée d'école, on retourne voir Classic qui accepte de nous filer les informations qu'on cherche, mais uniquement en échange de médicaments. Bon, allons les chercher et... Merde, qui est-ce que revoilà? Les filles du raisin qui nous réaffrontent en un contre ben... trop. Et me dis pas que je suis vraiment tout seul. Surtout que quand je pensais avoir gagné, ça n'était que le début. Car derrière, il y avait Rebecca. Tu te crois vraiment balèze, hein? Eh bien, on a quelqu'un à te présenter. Dis bonjour, Rebecca. Je vais te casser en deux et t'enfoncer dans mon cul. Donc je m'apprêtais à perdre quand j'ai soudain eu un coup de main inespéré de Wendy, rabatteuse. Il les a fait fuir en les dépopularisant sur Instagram. Sauf qu'elle nous révèle une information importante et retenez-la bien. Un mec qui a récemment débarqué à South Park nous a dans son collimateur tout en rajoutant qu'il a l'intention de gagner les élections de South Park. Bon, laissons ça de côté et retournons chercher les médocs de classique. On arrive finalement au magasin sauf qu'il est interdit d'accès aux mineurs et si on essaye de le passer, on meurt instantanément. Et là, merci Saint Freeman, il va nous débloquer la situation en nous apprenant un nouveau pet, qui permet, en utilisant en dehors des combats, de bloquer tous les éléments dangereux pendant 4 secondes. Et on va donc pouvoir déclencher le système, et puis ensuite pouvoir passer à volonté. Mais bon, on peut pas y aller tout de suite, car on a encore besoin d'ingrédients, comme par exemple des crevettes épicées qu'on achète au City Walk. Sauf qu'on est interrompu par Kyle, on reviendra plus tard du coup. On débouche chez lui, et on a droit de nouveau le droit d'affronter son cousin. Encore 20 fois plus simple que la dernière fois, du moins c'est ce que je pensais avant de devoir également affronter sa mère et Kyle en plus. Alors, abandonne! Pas d'inquiétude, cousin superpote. J'ai peut-être plus mon cerf-volant, mais il me reste ma super arme. Tanchela! Il y a des enfants qui m'embêtent! Quoi? Qui est-ce qui t'embête? Avec en fond une musique qui m'est tout à fait familière. Et je pense que les fans de South Park aussi la reconnaîtront. Ça pourrait donner les vraies mentales, c'est pour ça qu'elle emmerde tout le monde. Pardon. Une fois battu, on va utiliser les pouvoirs de l'homme cerf-volant pour s'envoler via correspondance. Un peu comme avec Diabète. Pour s'envoler, on va donc profiter du cerf-volant et de nos pep pour récupérer le cerf-volant du cousin de Kyle. Ce qu'on appellera en jeu la proutmobile. On peut donc retourner chercher les médocs de Classy en composant un burrito bien précis, nous permettant de débloquer le pet temporel dont j'ai parlé il y a une minute. On désactive le système et on peut passer. On rentre avec le Coon qui nous a suivis et à l'intérieur on va tomber sur Servietsky, qui a l'air sérieux mais qui pète totalement un câble au bout de 2 minutes. Alors pour le battre lui et les assistants, comme Servietsky est invincible, il faut cramer 4 tas de weed au sol. Et pour ça il faut attendre d'avoir le statut brûlure et juste de marcher sur les tas, ce qui va créer une odeur tellement relaxante que Servietsky va totalement se calmer. Et maintenant, ma meilleure attaque. Oh, comment ça va, Eric? T'es cool, toi? Je suis vachement content de te voir. Soui! Pour une fois que la weed sert à quelque chose, putain. On est donc enfin en possession des médicaments qu'on refile directement à Classy, qui nous révèle que la prochaine étape est le Ustorite, où il planquerait apparemment des chats. Sauf qu'avant d'y aller, on est convoqué par l'agent Harris au poste. Sauf que Super Craig nous demande aussi d'aller au Crunchy Microboubou pour améliorer notre fiche de perso. Et McKay nous demande de repasser à l'école pour parler du genre. Oh putain! Bon, commençons par la police, où Harris nous confie une mission qui consiste à arrêter un gars suspecté de deal au nord-est de la ville. J'en ai profité pour fouiller le bureau de police, où Monsieur Adams nous demande littéralement de faire sa promo en affichant des photos de son stand-up à South Park. Oui, c'est ça, tu veux pas que je te ramène le petit déjeuner aussi? Bon, allons au Crunchies, où on tombe sur le principal PC, en train de faire, ce qu'il sait faire le mieux. C'est-à-dire casser les couilles tout en mettant des grosses patates de forain. Avez-vous, oui ou non, dit que cet homme semblait fatigué? Oui, c'est mon ami, je lui dis, Poulot, t'as l'air fatigué. Micro-agression! Des personnes d'origine hispanique ont été taxées de paresseuses. Dire qu'elles ont l'air fatiguées constitue une micro-agression intolérable. Mais je suis fatigué. Toi, tu es le nouveau, c'est ça? Et il veut former notre perso au repérage de micro-agression. Alors, au-delà du fait que c'est très drôle pour le coup, ça va également nous apporter un avantage en combat. Car dès qu'on va repérer une micro-agression et qu'on inflige un coup,
bah, ça inflige aussi des dégâts supplémentaires sans avoir nous-mêmes à prendre un de nos tours. Retournons voir McKay, qui nous interroge cette fois-ci sur notre orientation sexuelle. C'est pas un peu pervers ce genre de discussion avec des gamins de 10 ans ? En sortant, on retombe sur les beaufs casse-couilles, sur lesquels je me défoule, j'en ai marre de voir leur tronche. En chemin vers la mission confiée par Harris, Craig nous arrête pour qu'on règle ses problèmes sentimentaux avec Tweak. Pourquoi il faut qu'on soit interrompu toutes les 5 minutes, bordel ? Je veux juste aller au Story Hit ! Bon, avec le père de Tweak, on tente de les rabibocher en les envoyant voir McKay. Mais je veux juste me tailler pour arrêter le dealer, sauf qu'il s'agissait du père de Nicole. Bah, il a l'air totalement clean. Bon, bah, j'ai pas trop le choix, donc je l'arrête, mais j'ai vraiment pas compris. Ça m'a l'air tout à fait chelou. Bon, je fais encore 2 mètres jusqu'à tomber devant la maison de Al Supergay, qui nous demande d'aller chercher ses chats. Et en visitant, devinez, on tombe sur qui ? Sur Monsieur Esclave, avec qui je m'empresse de prendre un selfie. TQ, on fait un selfie à deux ? Oh la... Oh, t'as pas tellement être mal interprété. Monsieur Esclave. Bon, tant qu'on ne laisse pas aller au Story Hit, je retourne au bureau de police où on confie une seconde mission. En fait, le père de Nicole ne serait qu'en bas de l'échelle de la criminalité. Le vrai Kaïd se cacherait dans un grand manoir de luxe tenu sous haute sécurité. Bon, haute sécurité... Mais bon, on arrive quand même à passer par un portail situé à gauche et totalement visible par tout le monde. Bon, on doit quand même passer les gardiens et leurs chiens, et une fois battu, on déverrouille le système de sécurité, histoire de pas se faire cramer grâce à un gadget offert par la police. Et après avoir fouillé la maison, on tombe sur le Kaïd, qui est en fait le père de Token. Alors, certes, dans la série, on sait très bien que le père de Token est riche, mais il m'a l'air totalement clean. Comment ça être vraiment trop bizarre cette histoire? Je les suspecte totalement, les flics. Bon, je suis quand même obligé de l'arrêter maintenant que j'y suis, mais on va être récompensé par un artefact de l'inspecteur. Et ensuite, Cartman va nous laisser la possibilité de choisir une autre troisième classe. Eh ben dis donc, c'est de mieux en mieux ça. On se rend ensuite au parc où Boîte à outils, alias Stan, va nous dire qu'il nous doit un service grâce aux événements qu'il y a eu avec son père la veille. Mais on en affronte quand même pour la deuxième fois les potes de la liberté, bien chaud car le professeur n'a pas arrêté d'invoquer des enfants pour nous battre. Il fallait donc éviter qu'il les invoque. Bon, bien qu'on se soit battu contre eux, Boîte à outils nous dit qu'il l'offre tient toujours. Bon, on va s'infiltrer au Story Hit le soir même en compagnie de Boîte à outils. Enfin putain. Alors pourquoi est-ce que j'y vais spécifiquement avec Boîte à outils et pas avec les membres du Koon et sa bande? Bah c'est très simple, Boîte à outils peut dégager les chemins de lave. Bon, ce sont des Legos rouges, mais s'il vous plaît, imaginez juste dans votre imagination une seconde que des Legos rouges, ce soit de la lave en fusion. Mais bon, c'est Sauce Park aussi, vous attendez pas une logique incroyable. Bon, j'ai oublié de vous dire que avant cette mission, on repassait d'abord à la maison. Et là encore, ben, les parents s'engueulent. Non mais putain, mais tout le monde est chelou dans le jeu. Je suis sûr qu'à un moment, va y avoir un problème dans le scénario, je pense. Et comme je l'ai dit, on va s'infiltrer au History en compagnie de Boîte à outils. On passe donc par la maison de Mysterion, et on va découvrir la sableuse, qui, comme je l'ai dit, permettait de dégager les Legos. La lave, pardon. On va affronter des clodos sur le chemin qui, même en 2v4, n'étaient pas très inquiétants. Une fois devant le History Hit, le Koon et sa bande débarquent. Bon, un petit peu contre la volonté de Boîte à outils, mais bon, il a pas trop le choix. Bon, on disperse la lave et on repart à la recherche de Sacripant. Mais on trouve autre chose, un masque en aluminium. Un masque en aluminium, ça me rappelle quelque chose. Tiens, professeur K.O., quel plaisir de vous voir, ou pas. Mais il m'en faut que quelques centaines pour ça. Alors, vous savez ce que je vais faire avec tout le reste? Aller à Paris, taper du Viagra et baiser de la petite française. Super Craig. Et 20 000 dollars qu'il a décidé de mettre justement dans la dévastation. Et pour essayer de nous achever, ben il nous envoie des hamsters. Sauf qu'il les a pas dressés, il les a juste envoyés comme ça. Pas très efficace. Bon, on fouille donc un peu plus loin pour retrouver le chat, mais on va aussi aller arrêter K.O. Bon, il va essayer de nous arrêter à plusieurs reprises en nous envoyant des enfants qu'il a payés pour nous arrêter, et aussi des chiens. Bon, trop facile. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? On en vient à bout. Encore faux, Koon. Oh putain, quoi encore? Avec ces nouveaux fonds, j'ai trouvé une source de mignons encore plus formidable, tous prêts à travailler pour des salaires plus que raisonnables. Vamonos, mignons, détruisez la bande des Koon. Le Koon et sa bande. Bon les mecs, on peut pas rester là comme ça et les laisser déconner avec le nom de notre équipe. C'est l'heure du Koon. C'est quoi ce bordel? Des Mexicains?
Bon bah comme je m'y attendais pas et que j'avais déjà perdu de la vie sur les précédents minions, forcément je perds. Mais je retente avec directement un coup spécial du Kun sur tous les Mexicains dès qu'ils apparaissent et j'en viens à bout. D'ailleurs j'en profite maintenant pour vous dire que l'attaque spéciale du Kun est celle qui m'a vraiment fait le plus rire. En gros son ulti consiste à être ultra médiatisé de partout et ensuite infliger des coups de griffe sur tous les adversaires provoquant aussi le statut saignement. C'est fort et l'animation est super drôle. Merci le Kun. En continuant à fouiller, on obtient de nouvelles informations de rabatteuse. Bon, Eric ne l'apprécie pas trop, mais on va quand même apprendre qu'un nouveau syndicat du crime émerge en ville. Mais lequel, on sait pas. Qui le dirige, on sait pas. Mais on s'en fout. On arrive finalement à rattraper K.O. Non, c'est le général Désolation. Gaffe, c'est un rouquin. Qui utilise de la lave pour nous one-shot, pendant qu'on doit le battre, lui, et encore d'autres minions qui l'invoquent en boucle pour se protéger. Dont cette horreur. Laissez entrer les machines de la mort, baptisées les Mecha Minions. Estamos colocados en el modo. Allez les Mecha Minions, vamonos. Après le match, le Super Craig est bloqué entre deux blocs de lave, sauf qu'on peut pas le sauver car on ne peut pas brancher la sableuse à source d'air comprimé de boîte à outils. Alors, vous en faites pas les gars. On connaissait les risques en acceptant de rejoindre le Kun et sa bande. T'inquiète, Super Craig, on va te ramener à la maison. Désolé, Kun, mais il semble que je sois bon pour un aller simple. Non, Super Craig, non! C'est donc la fin de Super Craig. Non! Je déconne. On va utiliser un nouveau pouvoir de correspondance qui consiste à se foutre le tube de l'outil dans le cul. Et en pétant à bonne fréquence, boîte à outils peut dégager les chemins de lave. J'aurais jamais pensé dire une phrase pareille, et surtout j'aurais jamais pensé qu'une phrase pareille pourrait avoir du sens. On passe finalement par les toits, pour finalement redescendre et tenter de trouver une piste. Et putain de merde, des mecs qui se droguent avec de la piste de chat. On va donc céder leur de mettre, en compagnie de rabatteuse qui devient une nouvelle affiliée de combat. D'ailleurs j'adore le concept de son attaque spéciale là aussi. En gros, elle trafique les serveurs de Pokémon Go, enfin, Team Pokémon Go, pour faire croire aux joueurs qu'il y a un truc rare à notre localisation, ce qui va ramener une horde de fous bousculant les ennemis. C'est belle référence à Pokémon. Bon, on s'enfuit de cette salle qui a pris feu pour encore battre d'autres minions et monter sur le toit. Bah, y a rien à faire là. Ah si, y a juste plein de Mexicains au fond en train de pelleter des Legos rouges. De la lave, oh, mais je me suis encore trompé. Donc les Mexicains préparent le projet de K.O. qui consiste à enduire South Park de cette lave. Nous prenons donc en duel dans son Mecha Mignon Suprême. Viens te battre comme un homme, K.O. Oh, je suis bien plus qu'un noble, moustique. J'ai enfin réuni assez de papier alu pour assembler mon arme la plus terrifiante. La voici. Accueillez comme il se doit, Mecha Mignon Suprême de K.O. What the f... Oh mais merde alors. Maintenant préparez-vous à mourir, la bande est Kun. Le Kun est... Ah le bol, c'est enfoiré à prononcer ces derniers pas. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bon, on est parti pour l'affronter. Heureusement j'avais le Capitaine Diabète et mon perso en mode bourrin dans ma team, car sinon ça aurait été très chaud. Et... Ah non, c'est pas fini. On doit encore l'affronter lui, qui a repris toute sa vie et encore plein d'autres Mexicains. Bon, on s'en sort. Et non, il y a une troisième phase et là, bah, clairement, c'était trop pour moi et j'ai perdu et j'ai dû tout recommencer. C'est pas vrai, je l'ai défoncé. Attends, là, je vais gagner du shield. Regardez les mecs, Capitaine Gabette est cool. Et puis je le tue. S'il te plaît. J'aurais dû faire ça depuis le début. Allez, s'il te plaît. Ah, je crois que j'ai gagné. First try. Let's go! Putain! First try, let's go! Ah, ça fait du bien d'avoir battu un gros boss first try après la galère que j'avais eue face à Randy. On ramène donc Butters dans la prison du monde du Kun et sa bande et eh bien, je vais m'arrêter là, vous savez quoi. Alors, calmez-vous, si je m'arrête maintenant, c'est pas parce que j'ai la flemme. Peut-être un petit peu. Mais blague à part, en général, dans les jeux en boîte, qu'est-ce que je fais? Je vous présente des jeux dont l'entièreté de ce que j'ai pu essayer
pour vous faire ensuite une critique. Sauf que là, bah, pour ce jeu en boîte, je me suis rendu compte que c'était totalement différent. Parce que j'ai eu un autre but aujourd'hui. C'est pas de présenter un jeu dans son entièreté, mais c'est de vous donner envie d'y jouer. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais comprenez bien que je ne peux pas tout vous dire dessus. Mais franchement, la suite du jeu vaut le détour. Ça peut vraiment donner envie d'y jouer. Surtout que là, bah, vous avez peut-être déjà l'impression que j'ai raconté beaucoup de choses sur le jeu. Surtout que là, bah, je viens littéralement de m'arrêter avant un boss. Mais pas du tout. Sachez que là, je vous ai donné à peine 50, allez, maximum 60% du jeu. Mais je tiendrai quand même à dire que le jeu vaut le coup, la suite du scénario aussi. Et d'ailleurs, je vous dirais même que la fin de ce jeu me fait un petit peu penser à un épisode de South Park. Ouais. Et c'est d'ailleurs un excellent point du jeu. Les fans de la série vont être satisfaits parce que le jeu est très fidèle à la série. Ça n'est pas un jeu à licence qui se contente juste de reprendre les personnages, mais de ne rien reprendre d'autre que la gueule des personnages. Non, là, ils reprennent vraiment tout. Il y a des références justement à la série. Il y a des références à des chansons, comme on l'a déjà dit avec la chanson de la mère de Kyle. C'est un jeu qui se la joue vraiment fanservice, mais qui le fait bien. Bon, malheureusement, il n'y a pas vraiment de post-game, si on exempte les DLC dont je parlerai dans quelques minutes. Mais en gros, vous pouvez débloquer un nouveau pet grâce à Freeman, qui consiste à invoquer le vous du mode histoire en combat et annuler le tour d'un adversaire. Bon, par contre, ça prend 5 tours de recharge, mais c'est logique vu la puissance. Sinon, en parlant de Freeman, vous pouvez l'affronter. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Bon, par contre, c'est le boss ultime du jeu. Comprenez, le plus difficile. À un tel point qu'après une heure de travail, j'ai décidé de passer au DLC, puis de revenir parce que j'y arrivais pas. J'étais dans une impasse, j'arrivais même pas à lui mettre en dessous de 40% de sa vie. Non, bah, y a rien de fou. Si ce n'est faire le 100% au niveau des artefacts, des yao, etc. Et c'est d'ailleurs ce manque de postgame qui a donné naissance au DLC, dont on va parler rapidement car cette vidéo est déjà trop longue. Mais sachez que dans les 3 cas, c'est complètement isolé de l'histoire principale. D'ailleurs, je vais faire un petit arrêt sur le prix des DLC parce que vous allez peut-être vous attendre à ce que je vous dise qu'ils étaient genre à 20€, peut-être 10€ le DLC, je sais pas quoi. Eh bah, ben, pas du tout. Sachez que pour la totalité des DLC, je n'ai payé que 8€. Bon, ils étaient en réduction, 8€ au lieu de 36, j'ai eu de la chance, mais du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous tombez encore sur ce genre de réduction, vous ne ferez pas pigeonner. D'ailleurs, j'ai acheté le jeu en physique à 40€, mais clairement, vous pouvez le trouver pas cher si vous préférez jouer sur PC ou que vous voulez acheter le jeu en démat. Passons maintenant au premier DLC. Il se nomme Une nuit à la Casa Bonita, où nous allons aider Mysterion à libérer Kelly, sa sœur, des vampires pendant la fête d'anniversaire du membre le plus important, en compagnie de Mysterion, du Coon et de Henrietta, oui, la gothique. Nous allons affronter en boucle les vampires dans des combats qui amèneront tous une difficulté différente et surtout progressive. Comme un grand Renoir, Monsieur Adams qui nous one-shot avec ses attaques, ou même Michael Jackson. Je suis ici. Casa Bonita, Shaman. C'est Corey Haim? Non, t'es pas censé être ici, t'es pas une star de Génération Perdue des années 80. Des petits garçons perdus ou ça? Je vais les trouver. Sans jouer, venez, trouvons les garçons perdus comme Peter Pan. Venez, allons dans la cave de Black Bart pour retrouver les petits garçons perdus. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, Michael Jackson. On s'en sort et GG, c'est réussi. En plus de débloquer Henrietta en combat, partout dans le jeu. Let's go! Oh my god. Let's go! Ah, il était chaud ce combat! On obtient également le choix de la classe vampire pour toutes les sauvegardes. Et je vous l'ai pas dit, mais dans l'aventure principale, même sur une nouvelle sauvegarde, vous débloquerez l'accès à Henrietta et à la nouvelle classe de personnage directement au début du jeu. Le second se nomme Tout Croustillant, où on va aller sur le lieu de la colonie de vacances pour handicapés, où on va avec Quickie, le professeur Chaos et Praline Mante-Cerise. Regarde, là-haut! Ça se dirige droit sur nous! Tous aux abeilles! Tous aux abeilles! À coucou! Foutez le camp ici! Chablagou!
Un chat blagou. Waouh, c'est l'entrée de super-héros la plus dingue que j'ai vue. Probablement le personnage le plus cheaté du jeu, car il peut permettre à un ou plusieurs ennemis de ne pas taper pendant un tour en leur infligeant le statut cerise, mais il faut au préalable que vos personnages aient le statut menthe. Et comme pour Henrietta, il sera utilisable dans tout le jeu par la suite. Bon, il y a aussi le professeur Timothy, mais il ne sera là que pour nous guider. Notre but va être de retrouver les moniteurs qui sont introuvables dans le but de faire vivre la colonie. Sauf qu'on ne va en retrouver aucun. Ce qu'on va trouver, ce sont des monstres, et lors de nos combats, nous allons retomber sur Boutet. Bordel, sortez l'artillerie lourde! Sortez le Boutet! Non. Devinez qui c'est, les chéris. Mais pas encore elle! Tu m'avais pas manqué. J'allais pas vous lâcher comme ça! Le Boutet n'oublie jamais, bébé! Oh non, mes pouvoirs mentonnés ne peuvent rien face à un cul de cette taille! On doit s'enfuir, vite! Et merde! Bon, j'arrive à aller me planquer dans une cabane, mais on a tous les autres à nos trousses. Mais quelle journée de merde! On va donc récolter des outils tranchants, ce qui va nous débloquer une nouvelle catégorie de super-héros, la catégorie miraculée, qui va consister à utiliser les fameux outils tranchants pour attaquer. Et matez-moi cette attaque chargée de fou! Oh merde! Bon, après avoir fait fuir Boutet, et après avoir affronté encore beaucoup d'hordes de monstres, on va apprendre finalement que ce n'étaient pas des vrais monstres, mais des gens en costume qui ont été engagés par Nathan, l'ennemi juré de Jimmy, et accompagné de Mimsy. Car il faut savoir que Nathan déteste ses colos, et que justement, il aimerait bien totalement la stopper, et ça on l'apprend justement dans la série. Bon, on va finalement réussir à retrouver une monitrice en vie, ce qui permettrait à la colonie elle aussi de vivre, sauf que non, elle est prise en otage par Nathan et Mimsy. Attends Jimmy, j'ai juste à me débarrasser du dernier moniteur et les autorités fermeront la colo. Plus de courses de canoë, de guimauves et de douches mixtes. Le cauchemar est terminé. Oh non, Nathan est possédé par des esprits démoniaques qui veulent fermer la colo. On doit l'arrêter. Je suis inarrêtable. Je dépense mes allocations pour embaucher les criminels les plus camés de la région. Voici mes larvas. J'offre un bonus de $100 pour la tête de Jimmy. Dont je me débarrasse dès la première tentative, car j'ai profité de Mimsy pour mettre des dégâts à Nathan directement. Et alors que je pensais que j'avais fini, voilà que déboule de nulle part un alien qui prend en otage la monitrice. On apprendra que cet alien s'appelle Zarganor et que c'est un alien venu de la planète de Pralinement de Cerise et que c'est un de ses ennemis jurés. Donc il kidnappe la monitrice et moi je décide d'aller la sauver. Sauf qu'en chemin, Timmy me demande d'aller lui chercher du lait. Et après avoir passé 15 minutes pour comprendre comment l'atteindre, on comprend qu'il était contrôlé par Zarganor depuis le début. Alors, pourquoi en le contrôlant il m'a demandé d'aller chercher du lait? Eh bien c'est pas compliqué, le lait et la kryptonite de Pralinement de Cerise. On va donc l'affronter et défaire ses attaques laitières, ainsi que Nathan et Mimsy, dont il a également pris possession. Sauf qu'une fois battu, il refuse de se rendre, et provoque un combat ultime où grâce à Timmy, il va réduire petit à petit le champ de bataille, en provoquant à la fin de chaque tour des explosions sur certains endroits de la map. J'ai bien galéré, mais la meilleure stratégie était de repousser le monstre ainsi que les filles du raisin dans les attaques de Timmy et de lui provoquer les saignements et les hémorragies avec le rôle de miraculé qu'on a débloqué dans ce DLC. Et après deux tentatives qui ont pris 1h10, putain! Que ta cerise soit maudite! Souvenez-vous de ce jour! Venger. Oui, let's go. Chablagou. J'ai fini le deuxième DLC de South Park l'Anal Destin. Enfin, pas tout à fait. Car il y a une collecte de badges de la colo en faisant des mini-jeux. Et bien que ce soit optionnel, je les ai tous récupérés. Et bien voilà. Là on peut pas dire que j'ai pas tout terminé.
Et enfin, le dernier mode est un mode de simulation de combat créé par Token. Ces combats rapportent des récompenses intéressantes, mais sont bien hardcore. Par exemple, il y en a où vous avez certains des plus gros boss du jeu, remis à niveau, et ça ne sera pas moins de 18 combats qui nous sont proposés. Et clairement, bah, j'en ai juste fait un seul car ils sont vraiment trop chauds et j'ai déjà passé assez de temps sur ce jeu. Mais comme j'avais une revanche à prendre face à Freeman, bah, j'avais pas terminé et j'ai décidé que ça serait ma dernière action sur cette partie. J'ai reposté le combat complet sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, mais je vais quand même vous le résumer rapidement ici. J'ai choisi pour le combat d'utiliser mon perso, qui est obligatoire, Tupperware, le moustique et le dernier arrivé, Praline Menthe Cerise. Dès le premier tour, j'utilise le Pain Invocation dont j'ai parlé il y a quelques minutes. J'enchaîne les attaques permettant d'empoisonner, enfin de mettre la nausée et de couper les adversaires leur provoquant le saignement. Et j'utilisais les protections de Praline Menthe Cerise et Tupperware pour pouvoir tanker un maximum de coups. Sauf que j'ai fait tour 1 de la merde et le moustique est mort après avoir seulement utilisé une attaque. Putain de merde. Bon, je me reconcentre et continue les attaques de soutien ainsi que de nausée. D'ailleurs, sachez que le poison lui inflige 3,2% de sa vie quand il est atteint. Mais en revanche, il faut le lui réinfliger après seulement un tour. Je réanime le moustique, ça ne sert à rien, il remeurt au tour derrière. J'arrive à ne prendre aucun dégât sur l'entièreté de mes autres persos jusqu'à ce qu'il tombe aux deux tiers de sa vie. Où il invoque son fils dont je ne me préoccupe pas trop parce que j'ai déjà eu l'occasion de m'y frotter et c'est perdre du temps d'essayer de le tuer. Je préfère directement tout miser sur Freeman. Bon, toutes mes possibilités d'attaque sont sur mon perso et l'invocation et je continue à profiter de ces deux persos et des dégâts de repoussement pour pouvoir faire un maximum de dégâts et de profiter de Praline Menthe Cerise et de Token pour pouvoir tanker un maximum. J'arrive à le faire passer en dessous du tiers de sa vie où Freeman va maintenant pouvoir attaquer deux fois plus et nous infliger le statut d'ensorcellement qui, quand un de nos persos est atteint, va rejoindre pendant deux tours l'équipe de l'adversaire sauf s'il est attaqué. Et je continue à le charbonner d'attaques bien placées en alternant coupures, nausées ainsi que dégâts de rebondissement. Bon, à un moment, mon perso meurt, pas grave, je le réanime et je fais une dernière invocation bien placée juste avant de me faire ensorceler. Et après un combat qui a duré 20 minutes et plein d'essais derrière, il n'avait plus que 556 PV. Je fais mes deux ultimes attaques avec mon perso et l'invocation, ce qui me fait remporter la victoire. Oui. Allez, encore une attaque et j'ai gagné. J'ai pas l'habitude d'être couvert de mon propre sang. C'est pas grave, j'ai gagné. J'ai gagné. Bordel. Après tellement de try. Vas-y, tu sais quoi, pour la peine, on utilise l'attaque spéciale. J'ai gagné. J'arrive pas à réaliser que j'ai gagné. Oh, dégage. Voilà ce que j'appelle prendre une raclée. Let's go. Tu as du potentiel, petit. Je te laisserai peut-être la boutique de tacos à ma mort. Ce qui fait que je peux enfin dire que j'ai terminé South Park, l'Anal du Destin et ses DLC. Et voilà, c'était mon aventure sur ce jeu incroyable et je vais vous donner mon avis. Mais je vais aller vite car je pense que vous avez compris que... Bah, c'est un excellent jeu. Il n'y a pas grand chose à redire en vrai. Si ce n'est que comme je l'ai dit, les voix ne sont pas en français et que du coup ça nique un petit peu l'immersion. Mais après ça, tout le reste est juste génial. Les musiques, j'en ai mis pendant toute la vidéo, elles sont très cool. Les sound effects sont au rendez-vous. Tout autant que les dialogues qui respectent la série. Et je sais pas combien de fois j'ai dit qu'un truc respectait la série. Mais c'est pour vous dire que c'est bien plus que du fanservice. C'est du fanservice bien fait. En plus, le jeu est quand même assez beau. Bon, le jeu est sorti en 2017, mais il est très beau et respecte, comme je l'ai dit, assez bien la charte graphique de la série. Ce qui fait que pour moi, ce jeu, c'est South Park et rien d'autre. C'est juste du South Park. Et je me dois de vous parler des combats. Alors oui, il y en a des très chiants. Car des fois, tu peux t'en taper plein à la suite, ou alors même dans un seul et même combat, tu te tapes plusieurs phases, et comme tu t'y attends pas, bah, tu te fais casser la gueule. Et c'est hyper frustrant.
Mais de l'autre, c'est toujours hyper gratifiant d'avoir réussi à passer un combat qui te paraît impossible ou trop compliqué pour la difficulté que t'as choisi. Ça crée un certain équilibre très très bien pensé. Et même les DLC sont bien faits car, comme je l'ai dit, bah, ils rajoutent quelque chose de totalement inédit et hors du mode histoire. Ce qui fait que pour 8€, bon, le 36 hein, comme je l'ai dit, bah, c'est pas du tout une perte d'argent. À vrai dire, le seul défaut, avec les voix que je reprocherais au jeu, c'est la version Switch. Alors pourquoi la version Switch, bah, elle est pas ouf? C'est tout simplement parce que les temps de chargement sont juste beaucoup trop longs. Parce que je suis désolé, mais des temps de chargement qui durent 20 secondes pour passer d'une zone à une autre, bah, ça fait un peu mal au cul quand même. Donc si vous voulez y jouer, je ne peux que vous le conseiller sur tout, sauf sur Switch. Donc achetez-le sur PS4, sur Xbox One, sur PC. Mais ne le prenez pas sur Switch, car certes, c'est un jeu qui a pas été beaucoup vendu, je crois, sur Switch. Surtout en physique, mais beaucoup trop long et ça nuit un petit peu au rythme du jeu. Ma conclusion est simple, mais je pense que vous l'avez déjà compris. C'est un jeu auquel je suis maintenant fan, j'ai kiffé le jeu. Je kifferai toujours autant la série et ce jeu ne m'a pas fait me dire « Tiens, ce jeu, bah, il est mauvais, est-ce que ça remettrait pas en doute mon intérêt quant à la série ?» Eh bien non, ça ne fait que de me le faire apprécier encore plus. Et d'ailleurs, j'irai même au-delà pour vous dire que je pense que même un non-fan de la série pourrait apprécier le jeu, à partir du moment où, une fois de plus, il aime bien le politiquement incorrect et les vannes bien placées. Et pour une comparaison avec tous les autres jeux en boîte que j'ai pu faire, je sais pas trop comment le placer, mais je considère qu'il est aussi bien que Driver Parallel 9, même si clairement on parle pas du même style du jeu. Mais je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à classer les deux. D'ailleurs, attendez, je vais aller les chercher. Donc voilà, je saurais pas trop comment classer ces deux jeux l'un par rapport à l'autre. Mais dans les deux cas, j'ai joué sur les mauvaises consoles parce qu'ils étaient beaucoup plus beaux sur d'autres, c'est quand même terrible. Et voilà, c'était mon analyse et ma critique sur South Park l'Anal du Destin et ses DLC, j'espère que ça vous aura plu. Comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai bien l'intention de faire le bâton de la vérité, même si, bon, c'est un peu con de faire le début avant la suite. C'est l'inverse, mais quel con. Même si du coup c'est un peu con de faire le début après la suite. Pour le prochain jeu en boîte, je vous le dis d'ores et déjà, je ferai un jeu à licence parce que j'ai envie de souffler après deux gros jeux en boîte. Et je vous le tease un petit peu, ça sera une petite surprise que je garde à l'occasion du 10e jeu en boîte. J'espère que vous serez au rendez-vous, mais je vous le dis tout de suite, ça se passera pas sur ma chaîne Twitch, même si vous pouvez aller y follow, mais ça se passera sur YouTube parce que justement, bah, c'est un événement spécial, le 10e jeu en boîte, voilà, t'as compris. Si vous voulez revoir l'intégralité de mon let's play sur South Park l'Anal du Destin, vous pouvez aller sur ma chaîne secondaire qui est en description. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs, hein, y a aussi des replays type Driver Parallel 9, mes challenges, mes défis. Bref, il y a vraiment toutes mes VOD Twitch dessus, sauf les plus casse-couilles que j'ai décidé de ne pas remettre. Pour le référencement, je rappelle que liker et s'abonner soutient énormément les créateurs. On n'y pense pas assez, mais c'est un réel soutien pour le référencement. Surtout quand on parle d'une petite chaîne qui n'est pas connue comme la mienne. Et si vous voulez me soutenir financièrement, j'ai un Tipeee qui est en description. Et d'ailleurs, aux 50€ cumulés de dons, je ferai un challenge sur Super Mario 64 et en plus, un jeu en boîte. Bon, je rappelle que c'est pas obligatoire, mais si vous voulez contribuer à ce projet, bah vous savez ce que vous pouvez faire. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, les mecs, j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle vous aura plu. C'était vraiment le jeu en boîte le plus long à tester et aussi le plus long à écrire et à monter. Et j'espère vraiment que ça rend bien en fait. Je vous dis à la prochaine, salut YouTube !